travailler les nyosos avec toute ma concentration. Je donne le meilleur de moi-même parce que je veux faire mon travail différemment. Mmh. Effectivement, ma producteur les lobazaki. C'est difficile, osala, vraiment, au persister, au résister. Lélo n'a milieu à musique. Mmh. Moi, je me bats toute seule. J'ai un groupe à Kinshasa. J'ai mes propres instruments. J'ai mon studio à Kinshasa. Et Outi Paris, Zabat, dernier. Qui est derrière? Qui est derrière, c'est ma voix. C'est ma voix qui paye et c'est mon travail que je fais depuis 13 ans. Depuis 99, je suis dans la musique. C'est pour ça que quand les gens disent Barbara à Outi, c'est pas vrai. Non, moi, tu sais... ça fait 13 ans que je travaille. Ça fait 13 ans que je me bats. J'ai commencé avec des producteurs. Mmh. Mais après, le peu que j'avais, le peu on a gagné la musique, on a tient la musique, parce que je crois en mon travail. Et je crois que la musique est un métier. Est un métier à part entière comme tous les autres métiers. Mmh. Parce que je ne le fais pas juste pour naloyenge kaka. Non mais Barbara, si non. Les gens arrivent à dire que Bamonyo le colo bimi le oui, c'est vrai. Mmh. Parce que tu as vu que bah, musicien nyon soya kala même bah, musicien minine et bah, maman la biso toyebi, bah ça les succès tellement la poto, il fallait un temps bazonga pour pouvoir fandi ça en Kinshasa. Topé ça batouana torté parce que Barbara elle est tout le temps partie. C'est à peine. Je pense que c'est seulement l'album Caribou au Barbara Saline tu vends à moi mon Kenya Kinshasa à 20% s'il faut. 20% non, je crois pas. Au contraire, parce qu'on a vu justement ma remarque est belée. Na ba fan nanga Afrique de l'Ouest, il y a Afrique centrale qui me disent mais Barbara tu es tout le temps au Congo. Musique. Mais c'est vrai parce que justement avec l'album Caribou Nalinga qui vraiment on a vendu ça Kombo ya Barbara Kanam dans mon pays parce que je viens du Congo, je suis du Congo, je suis une fille du Congo et je voulais que le monde entier sache que je suis congolaise, que je suis aimée chez moi, que je suis reconnue chez moi. Et donc c'est un travail que j'ai fait avec Caribou et je ne le regrette pas parce que Lélo effectivement, Sokyokatanaba, quartier Yakin, partout dans les fins fonds de la RDC. Tu donnes à un enfant, on te dit Barbara Kanam, il va te chanter Djalabi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, c'est quelque part, j'ai réussi. En partie, parce qu'on ne réussit pas à 100%. Mmh. Je continue de travailler. Fona salam salam. Vous avez seule. Gagné la confiance. J'ai gagné la confiance du peuple congolais. Du peuple congolais. Ça, c'était important parce que j'avais besoin du peuple congolais et béni en Gaïnaz ou à bénédiction. Voilà. En tout cas, ça c'est bien. Vraiment, Eza bien mingi aux bénédictions. Il y a peuple congolais. Na soutien à Bango. Oui, c'est vrai. Mais Toza a besoin régulièrement. Tout le monde aura mon arrêt. Mais Barbara, vous faites quoi? Mais au moment là-bas, concert, Toza n'a pas image. Parce que moi, j'aime parler avec des preuves. En fait, vous ne faites pas, excusez-moi de le dire, mais vous ne faites pas trop musicien. Parce que je ne sais pas, oui, c'est peut-être que nous avons. Toza n'a pas cliché. Bapé Sabiso, Vision Roboye, Yamabe Pobango. En tout cas, moi, je vois Barbara Kanam, excusez-moi d'aller plus loin, ministre, par exemple, ministre des Affaires, quelque part. Naboy Basiba ou Bazan, la ministère, Baya Otielangazoua ou non. En fait, je vois Barbara Kanam. Les études que vous avez faites, vous n'aviez pas vraiment, comment je peux dire, le sang, Yaba musicien, Nabiso, Yaba Congo, s'il faut le dire ainsi. Hein, c'est l'éducation, c'est. Je pense que c'est un tout franc. Franchement, jamais j'avais pensé à la chanteuse. Mm-hmm. Pas du tout. Je pense que je suis tombée par hasard. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard. Parce que si on les a destinés à eux, si c'est Dieu qui a voulu que tu fasses ce métier-là, ça va se faire. Parce que je n'ai jamais eu la prétention à la chanteuse. J'ai chanté comme tout le monde. Oui, que bon, en Afrique, tu as tout le temps. Là-bas, église, tu as fait, tu as matin, tu as. Et chaque fois que je chantais, il y avait toujours. Si on a un bon monde, tu vas m'indigner. Il y avait quelque chose. Je pense que ça vient de Dieu. Et oui, j'ai choisi de faire ce métier différemment. Nalina Salango différemment, justement. Parce que Nalembi, image, il y a Basiba, chanteuse, une image légère. Si vous êtes chanteuse directement, vous êtes une femme facile. Non, je voudrais. Nyonso. Et puis l'habillement, le comportement, je voudrais changer. Je ne suis pas prétentieuse. Je ne dis pas que. Oui, ça là, ma bé, mais je voudrais tout changer. Non, mais il faut se dire la vérité. Voilà. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, à Kinshasa, on a habité, on t'a contredire, on a habité, sauvé dans la pote aux occasions, là, l'émission. On a habité, si ils vont me contredire, aujourd'hui, l'image de la chanteuse en République démocratique du Congo, s'il faut le dire précisément à Kinshasa, Bazo, la chanteuse, n'a niveau moro boyé. Et nous avons vu ça peut-être, Nadé, à Kester, c'est une parenthèse. On va essayer de parler de ça tout à l'heure. Mais Barbara Kanam, yango na em sous ce sengate ke azala rapé na mwa bango mingité non ba association ya banini té toi qui elle est vraiment différente
Est-ce que Eza au Bungindela, ton Dela n'a aucun appétit. Oh, artiste, il faut respecter les artistes. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un métier à part entière. Ça demande maïele. On fait pas la musique juste avec ta voix et ta beauté. Ça ne suffit pas aujourd'hui. Osa moi si osa chanteuse, il n'y a pas que la beauté, il n'y a pas que la voix. C'est un ensemble. Les discipline na yo la vie, organisation na yo, moralité na yo, maïele na yo. Parce que la musique que l'on fait, c'est une musique qui doit être une musique que dans 10 ans on puisse l'écouter, dans 20 ans on puisse l'écouter. Les textes que l'on fait passer dans cette musique, on parle de quoi? Moi quand je chante dans mes chansons, je relis mes textes parce que je compose. Je suis auteur et compositeur. Ah bon? Moi j'écris seul mes chansons. Ah bon? Mes chansons sont mes titres. Ce ne sont, il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné des... quelque part. L'album que je suis en train de préparer, je l'ai arrangé toute seule, j'ai écrit toute seule. Je fais mes musiques. Mais c'est comme Baba, osa la mara mionso, hein, vraiment. La beauté, je ne sais pas si les téléspectateurs à qui n'est, en bah, contredire, il y a émission au Jardin de Star. Je ne sais pas, elle est belle, elle est charmante. Elle a tout mionso, à roche la maquelle et la TV. Mais pourquoi elle s'habille bien? En plus, elle est bio, elle est naturelle. Bon, je ne sais pas, mais pourquoi Barbara, à la télévision, tout le monde a raoté un jour les gars, non, la musique, non, non, la zabou, non, la zabou. Olingi, Kakabatouba, l'obéla, yo, mon retour, on sait, là, on a qu'une chasse à cause de la ratée, mais pourquoi tu ne fais pas? En fait, non, la préférée, Batouba, l'obanga, non, l'obate. Je préfère que les gens. Mais ça, rappelle-moi bientôt, les qui ont monté, un débat, mon album, on a mon abétien. Musique, on a mon arrangé. Mais côté beauté, Nazali. Ma musique. Côté Stémaï, tout, Nazali. J'aimerais quand même Barbara. Je tombe bien quand même avant qu'on s'y vous. La ligne de côté la macamonate parce que Batunde mais faut baloba. Ce n'est pas à moi na ça la publicité yangamoko. Moi je sais mon travail. Mon salaire nazo ça la musique nazo ça la. C'est ce qui va faire en sorte que les bateaux baloba. J'ai pas besoin de parler. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. En tout cas, vous êtes chrétienne aussi? Absolument. C'est une de mes forces, une de mes grandes forces d'ailleurs. Il n'y a pas c'est quelque chose caché là. Oh, Makamba au caché, Zateza Moussala, même si vous cachez, le travail c'est le travail, le talent c'est le talent, ça ne ment pas. Sinon tout le monde au Bazo Salabakis, il fallait Bazalaba au numéro 1. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne fais pas la promotion, si tu ne te bats pas pour te faire, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Mais les lots, tout le monde a les lots, Bartiste et Bélé, Bima Sima Barbara. Sur le talib, comment le rôle à Bangonde, Bima Liboso à Barbara. Mais si quoi, bazo l'écapé, mais bazo t'écapé quand la musique en haut. C'est quoi ton secret? Mon secret, comme je te dis, c'est ma foi, c'est l'éducation que j'ai reçue, c'est l'amour de mon travail, passion en musique. Parce que quand il y a une musique, nazo salamou pour un bon côté. C'est vrai qu'on doit gagner de l'argent. La preuve, je suis quand même, je pourrais dire que je suis une femme, une businesswoman, parce que je suis producteur. On va parler de ça. On va parler de ça. Donc ça demande d'être aussi une businesswoman dans la tête quelque part. Mais je fais mon travail vraiment avec. Avec toute ma foi, je mets le meilleur de moi-même et je n'ai pas besoin d'aller Kamutuna. Il y a 4 milliards, 3, près de 4 milliards sur Terre. La Kinshasa Tosa, près de 70 millions d'habitants. Donc je pense que chacun a sa place. Oyobazoya, na Oyobakoya, après, chacun va trouver sa place et ses fans. Parce que ce qu'on veut, c'est la musique. Moi, je n'ai pas besoin de dire qu'on a les qui, Oyobien, je n'ai pas besoin de ça. Pendant plus de 13 ans, la musique congolaise. Jusque-là, trois albums. Nous attendons le quatrième. Et quel est parmi les trois albums, quel est l'album qui a fait de vous aujourd'hui Barbara Kanam? Je pense que l'album qui a vraiment permis que je sois connue au-delà de l'Afrique de l'Ouest, puisque j'ai débuté ma carrière en Côte d'Ivoire, c'est la chanson Teti et Bibi Madeleine. Parce que j'ai été lauréate au Quora Awards. Déjà avec Mokili, le premier album, j'ai été nominée au Quora. Oui, le premier en 2000. Album qui est là. Mokili, déjà en 2000, c'est mon premier album. Qui avait huit titres. Huit titres. Malheureusement, nous n'avons pas de clip à vous proposer. Voilà. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir. Quand elle va apprêter les images, nous allons vous le balancer. Il y a eu la chanson comme telle, Mokili. Mokili, c'est le titre qui a permis que je sois, voilà, que je sois connue. À l'époque. Mokolo Yasuka. Voilà. C'est huit titres. Pour Acha. I come to you. I come to you. When a man loves, when a man loves a woman, ça veut dire? C'est quand un homme aime une femme. Quand un homme aime une femme. Ouais. En tout qu'est-ce qui se passe quand un homme aime une femme? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je te dirai. Baba Wabi. Ça donne Jarabi quand un homme aime une femme. Ah, ça donne Jarabi. Vous aimez bien. Hein? Oui. En tout cas, ok, ça c'est votre premier album, Barbara Kanam, Mokili. Mokili. Vous êtes encore toute jeune. Hein? Bon, tu vois, le temps passe.
Le temps passe et ça soit. Mmh. Le deuxième album, c'est Teti, avec le titre Bibi Madeleine, Bibi Madeleine. Et Teti Mbouelele. Mmh. Quand le titre Bibi Madeleine, je gagne à ce moment-là le prix de meilleur espoir féminin pour tout le continent, mmh. au Cora Awards, mmh. c'est à ce moment-là que je fais un remix et que j'invite justement Willow à venir chanter sur ce remix. Mmh. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui passaient sur Trace TV. Mmh. J'étais une des premières artistes à faire des clips en film. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai relancé la chanson Bibi Madeleine, qui était déjà sortie en 2003. En 2004, j'ai fait le remix. Et à ce moment-là, je décide de revenir à Kinshasa. En tout cas, Bibi Madeleine. Voilà, Bibi Madeleine. Et nous allons proposer à nos fidèles téléspectateurs la chanson Bibi Madeleine. L'argent, appelle l'argent. Ah ben voilà, c'était votre composition? Bon, j'ai juste fait la reprise de Pamelo Munka, mm-hmm. mais le reste, c'est ma composition. L'argent appelle l'argent. Mais l'argent appelle l'argent, l'amour appelle l'amour, la paix appelle la paix. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Amen. Et voilà, on suit la chanson Bibi Madeleine. Et on se retrouve tout juste après pour faire plaisir à Balobi, grand maître, maître Waza Pimenia Barbara Kanam Balobi, Dindia Likate Moutoua Likate, coaché Bangou toujours, maître Mike. En tout cas, coup de chapeau à toi. Les rumba, on est habitué à télémiel. Non, il fallait faire autre chose. Et puis, je voulais aussi relever les scènes, les images des clips congolais et africains. Parce que, bon, les Américains, on aime bien regarder Beyoncé, Bariana. Bariana. Mais Bissopé, il faut... Shakira, Lady Gaga. On peut le faire. Mm-hmm. Mais c'est vraiment une façon d'honorer, de relever et de faire en sorte que notre musique soit encore beaucoup plus... visible. Mais il y a eu quand même des critiques autour de ça. Bah oui, que non, Barbara. Mes parents, déjà, ils m'avaient dit, mais Barbara, musique à onde. J'ai dit, maman, ça fait partie du marketing. De toute façon, je ne sortais que de la piscine. Mm-hmm. Et quand on est dans une piscine, tout le monde sait que dans une piscine, on ne peut pas sortir en alibaya ou bien à pantalon. On est en bikini. Et on va quand même à la piscine. On est quand même un peuple évolué, développé. Mm-hmm. Donc, il y a la piscine. Mm-hmm. Donc, quand on va à la piscine, on est en maillot. Mm-hmm. Les Miss aujourd'hui. Quand elles font Miss Congo, Miss Afrique, elles défilent en maillot. Mm. Pour qu'on ne dise pas que c'est... Donc voilà, et puis ça fait partie de l'art. Simplement, c'était vraiment de l'art, c'était pour expliquer cette chanson. C'était pas pour exhiber le parti. De toutes les façons, artiste, on est obligé d'exhiber ce qu'on est. C'est l'image. Vous êtes très... Pas dans le mauvais sens, mais c'est très mal critiqué ici, surtout dans Katia Kinshasa, en Abidjan. Bon, très mal, c'est une des plus belles chansons. Et j'ai beaucoup, plus belles, vraiment. Et j'ai beaucoup de gens qui me félicitent parce que c'est un beau clip, parce qu'il n'y avait rien de vulgaire. C'est-à-dire, même si on est sexy, je dis toujours, on peut être sexy sans être vulgaire. C'est la vulgarité après qui n'est pas bonne. Mmh. Mais il n'y avait rien de plus, ce n'était qu'une image. Ça durait même pas une minute. Même pas une minute. Même pas une minute. C'était juste pour montrer, ben là, une femme en maillot, c'est quand même pas sorcier. Oui, c'est pas sorcier. L'album Barbara Kanam Caribou, vraiment, félicitations. Merci, et ça, album Moyo et réussir. Et il y a eu des chansons à Lobango, toujours dans l'artiste, dans tout ça, c'est-à-dire que l'album Moana est percé. Et là, je pense également à ma petite Givenchy Kadjoudjou, Givenchy la star, qui aime bien la chanson Djalabi, en tout cas pour elle. Et à copier à Nios, oh Barbara, ça la nakacha clip à Djalabi. Voilà. En tout cas, Givenchy, c'était pour toi, ma chérie. Et Barbara Kanam, album Caribou, et celle où succès Koka Osala, et Mémé Lopé, trophée. Oui, Koukaya Komemelao, parce que je sais que Ozaki Trophée en Doulawa, grâce à l'album Caribou. Deux trophées. Des trophées à Okapi Award aussi. Mm-hmm. Et vous étiez nominée à MTV Afrique Music Award au Nigeria. J'étais là dans la salle. J'étais la seule artiste francophone. La francophone, oui. Mm-hmm. Et puis, na Congo. Mm-hmm. Voilà. En tout cas, félicitations, parce qu'il y a un peu de temps au Limina Okanti, tout ça, qui est jamais. Vous faites la fierté de la RDC, laissez-moi vous dire ainsi. Est-ce que Barbara, problème où les alliés, tout tient un peu maramouna, yo pembe, ni toko tapé, non, na vie sociale, na vie artistique, yaba Congo, na vie so. Bartiste et Lelo Bazo Koufa. Barbara Kanam, Bartiste, yaba Koufa, nous avons perdu Taboulay. Bon, bah, on nous souscoute à Kalopé, sa raison que vous avez sur place. Est-ce que les alliés qui vous allez en apote ou soit, ou partagera pe, mais on a maninga nos Bartistes? Non, oui, Toza Batou, avant Toza la Bartiste, on est d'abord des êtres humains. Et Nathan Waba Mawaboué, je suis obligée de compatir et d'être là. Non, tout ce là, mon nom, Taboulay, j'étais en plein studio et j'ai fait expressément un message de Paris pour présenter mes condoléances. Mon équipe était là présente, Serge Mazoa, il y a eu des banderoles qui ont été faites pour dire que j'étais de tout cœur avec la famille Taboulay. Mmh. Je ne pouvais malheureusement pas être là parce que j'ai eu des problèmes de santé l'année dernière. Mmh. J'ai subi quand même deux opérations, ce qui explique aussi que j'ai pris beaucoup de poids. Et ça, les gens l'ont remarqué à Best of the Best, j'étais malade.
Entre-temps, j'ai perdu aussi deux personnes au mois de décembre. Une de mes nièces de 40 ans qui est morte à Bruxelles. Donc, j'ai connu aussi personnellement dans ma vie privée des situations similaires. Mais j'étais de tout cœur. J'ai envoyé mon équipe qui était là, qui était présente. J'ai fait un message de Paris pour présenter mes condoléances à la famille. Pour Emenea, je suis partie voir la maman d'Emenea. Parce que moi, je n'aime pas me faire voir. Quand non, je fais les choses, je le fais de la manière... Vous êtes artiste. Vous êtes... Mais comment vous voulez que je Mais c'est quand même pas... C'est quand même pas je bien. Je pense que ce qui était plus important, c'est de voir la famille. C'était pas que Batouba Monangaï, c'était que la famille des Ménés à me voir. Ça, ma tanga, Barbara. Parce que ma tanga, elle est loin. Les gens viennent pour. Moi, je ne viens. Je veux compatir avec la famille d'abord, c'est ça. À ce moment, la famille, déjà, a besoin. Il y a soutien. On n'a pas besoin, c'est pas de se faire voir, c'est pas ça qui est Barbara, important. Barbara, arrêtez de faire la musique. Maître Mike Pepe, sa Barbara, CSB, sa Barbara, Tika Musique. Je suis allée, il y a des images où je suis allée voir la maman des Ménéa. J'ai présenté mes condoléances. Je pense que ça, c'était très important. J'ai vu la famille des Ménéa, j'ai pris du temps. Les images, les images, mais Barbara, Tomoni. N'a pas ça qui maman enveloppe directement. Moi, je n'aime pas Nalinga. Je n'aime pas me faire. Mais Barbara, vous êtes artiste. Mais comment on sent la musique au Lingi, tout le monde la musique na yo. Mais si quoi yo moutou, toi que tout le monde a quoi sur le plan artistique. Tout ça puis na moto yé bah mais moi bah tu boubou ya Barbara Zandeni. N'ego kende kana ah tout le monde a pu Barbara kende. Arrête quand j'engage la zala qui na mona. N'ego na kabili solo. Bon mais jour na kenara tu n'étais pas là. Je ne pouvais pas faire communiquer. Bon on a n'est pas. Au kenara la caméraman et toi na journaliste. J'étais avec mon caméraman. Avec mon équipe qui m'accompagnait. Mais là, c'est Kana Musique. Ça, c'est Kana Musique. On a donné les images qui sont passées dans certaines chaînes. Et tu vas les faire passer pour les montrer au public. Okay. Je fais de tout cœur avec la famille. Je présente encore mes condoléances. Et j'ai d'ailleurs rendu hommage à Emenea dans mon album, dans un des titres d'ailleurs. L'album qui va arriver, Zawadi. Voilà. Ok, merci beaucoup, Vie. Merci beaucoup, fidèle téléspectateur. J'espère que Barbara Kanam, d'abord, c'est une Africaine, une Congolaise, Nathan Wama, il faut au Kabola Mawa. Elle est allée aussi rendre visite à la maman de King Kester Emenea. Suivez ces images et on se retrouve tout juste après pour votre. Et voilà, fidèles téléspectateurs, Binobatou Lobaka.
Barbara Kanam, Azanae artiste, mais pas comme toutes les autres. Laissez-moi le dire ainsi, ça n'engage que moi. Azanae, Azanaba, tout n'y a sous au héros, les capés binouma la lobby. Moi, Monique est choquée, ni me résonne à béni à attaquer Kangaï. Mais elle est allée voir discrètement maman et Emenea. Et en dehors à Emenea, il est allé aussi rendre visite à la famille d'Alain Moloto, grâce à la réalisation de 120 bandes que je salue, à Kende qui peut être à la Bango. C'est une façon de dire que. Exactement, il n'y a pas de raison à l'artiste, il n'y a pas de raison pas trop de bossangani tant bossangani on y a besoin de confondre bah tout tout l'histoire n'est pas bonne ça voilà elle essaie d'arranger de, à sa manière toi qu'est-ce que tu as kende qui te met les parties à cueillir à comi à couper et ça a bien osé être parce que à mon égard de toute façon oh y a où ça là ils aient un moana alors Barbara c'est vrai na matin moana Bartiste Bazala qui vraiment la valeur ti Bartiste Bazala qui vraiment Mamsoukou d'Oiseau qui accès à Rokotate. Là, vraiment, je vous informe que Bartiste d'Oiseau qui accès à Rokotate. Quand nous avons essayé de parler avec d'autres bouches, bah, l'objet qui est à faute, c'est nos Bartiste, excusez-moi, pour vous organiser. Mais yo ozo ya pena moi eloko moro ya bien olingo matia na kati ya musique na biso mais lelo o na babilo ko ndengwa to zo souhaiter que mtu mzuzu akufa parce que la mort pour moi la mort c'est un repos éternel est-ce que lelo oyo pour ba mara moi na ekomati yo étant artiste musicien parce que artiste baza qui bousculé ezara le rôle la yo et surtout que baza qui basi yo poza moi si Lélo, oh, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à nous? Binoumo Bartiste, il y a besoin d'organisation. Est-ce qu'il y a un jour, tu peux aussi t'élever et dire que bon, voilà, moi je suis artiste par rapport à ça, je m'élève. Parce que nous avons tout, nous tout. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça? J'y réfléchis et il y a une réalité, c'est qu'au Congo, déjà, on n'est pas unis. Il y a un problème, il y a un ordre dispersé. Et si aujourd'hui, on en paye les conséquences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, et c'est l'état d'esprit dans lequel moi je travaille, c'est l'unité. On n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues. Bon, moni tangwa mawa tangwa, regarde comment on traite les artistes. Parce que bisou moko déjà. Vous avez été très mal traité. On n'est pas organisé, on est tout le temps en train de se mettre des bâtons dans les roues, des pots de bananes, ça ne sert à rien. Il faut tous aller en organisation. Et oui, j'y pense. Mais si on a lobby na téléma, on va dire encore t'as la Barbara. Non, mais il faut quand même quelqu'un pour téléma. Parce que si on laisse. Je pense que je vais devoir le faire parce que. Le pouvoir s'arrache. Là, vous êtes quand même d'accord avec moi. Quelque part, oui. Mais oui, parce que les lots qui obiquent. Il faut quelqu'un. La révolution, ça ne demande pas que Mouta ou Tassou qui voit. Puis Carabino, Nabino, aujourd'hui, Moura Robin, non, c'est fini. Moi, je me lève, je prends la relève. Je prendrai le temps et je verrai dans quelle mesure je peux rencontrer Baïné Nangaï, mes grands frères, mes grandes sœurs, total, tout s'organiser parce qu'il faut qu'on respecte les artistes. Naouti, je viens, une anecdote, je suis arrivée il y a deux jours de Paris, j'étais avec Fali, on est arrivé sur le même vol, Air France. Tokiti avant, puisqu'on était en classe affaires, donc on est descendu avant. Bus Moro et Zalakiwana. Bus au Bazoana ministre, passager Bazana business class, et bus au Yaba classe économique. Nous sommes allés vers le bus, parce que moi j'ai l'habitude de prendre ce petit bus là, ce minibus. Balobit était beau matate parce que ministre Moro Azokota. Ah voilà, ma camarade. Déjà, je me dis, mais c'est pas possible, donc on ne nous respecte même pas en tant qu'on est quelque part, on est ministre de ce pays aussi parce qu'on travaille pour ce pays, on est connu sur le plan international. Je suis désolée, c'est vrai que les ministres ont leur rang, mais il y a des artistes qui sont connus même plus que des ministres au Congo. Donc il faut quand même qu'on ministre reste. Ministre Ebanika aime la télévision. La télévision. Nous sommes des gens qui allons dans des contrées lointaines, naba Brésil, naba Venezuela. Moi, ma musique est écoutée au Mexique, au Venezuela. Et le ministre est connu là. Donc, je voudrais quand même qu'on respecte les artistes. On a notre statut, on a notre rang. On nous a carrément refusé. J'étais avec Ali, lui-même pourra le témoigner. On était choqués. En plus, moi, une femme. Donc, même la galanterie veut que ce protocole dise, madame, montez. Mais c'est ce que nous avons vécu au deuil. C'est un artiste qui est décédé, mais le ministre, quand les artistes qui viennent, parce que les artistes sont considérés comme des sous-fifs, c'est un sous-métier, c'est des gens, et il faut que ça s'arrête. Mais levez-vous, Barbara, qu'est-ce que vous attendez? C'est pour ça qu'on fait de la bonne musique, c'est pour ça qu'on se comporte d'une certaine manière, c'est pour ça que je ne vais pas n'importe où, je ne fais pas n'importe quoi, parce que je veux garder mon statut, je veux qu'on me respecte en tant que femme artiste. Je suis une personne qui travaille pour ce pays et qui représente ce pays. Donc je veux. Et après deux jours, on vous appelle, bon, il y a le même ministre qui vous appelle, bon maman, venez faire une chanson pour moi, Nabokei, Boye Mimbang, et puis voilà. En fait, Nazan Makamwanate.
En tout cas... Zawadi d'abord, il y a la diva de la musique africaine. Na réfléchir, na lobi bon, ceux qui n'ont français, c'est trop compliqué. J'aime toujours na zong la origine na ouais. J'aime bien les noms en fait authentiques, terroir, parce que namo naraba Aïcha Koné, Bakumba Gaolo, Bakumi. On dirait qu'Aïcha Koné est un modèle là, tu l'as. J'aime beaucoup Aïcha Koné parce que je l'ai connue très jeune en Côte d'Ivoire. Quand j'ai débuté ma carrière, c'était Aïcha Koné, c'était Monique Seka, donc c'est vrai, ce sont des modèles. Et j'ai toujours remarqué que ces femmes-là, Bazala, qui sont toujours rattachées à leur culture, à leur tradition. Et pourquoi pas nous? Donc, Naza congolaise, je suis fière de mon pays, fière de ma culture. Naza Namboga Moko, ils ont la diversité à ma langue. Donc, j'aime toujours donner à mes albums des titres purement congolais. Zawadi. Mokili, tu me disais. Oui, Mokili, c'est en lingala. En lingala. Ah. Caribou, Caribou, c'est en swahili. Mais toujours, toujours, la tendance, il y a raison à la katanga, t'as quoi une origine en moment. Bah Congo, bah ça n'a pas ça na yo. Bah lou, bah pe, bah lobi et pas il a diva. Na bah cri na biso, bah on va retrouver mon camarade Bandundu. Bah Congo, tout ça. Je regarde mon groupe. Toza, c'est pas des katangais. Ils ont kabakino na bakino na batundu. Donc tosangi saka. On a nous, c'est ça toujours pour na. Faire en sorte que musique est à la richesse. Et Zawadi, ça veut dire quoi? Zawadi, ça veut dire Zawadi, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau joyau. Que vous avez reçu, un cadeau que je donne voilà. Zawadi, c'est un cadeau, c'est une pierre précieuse, ça peut être émeraude, saphir, oh, et l'autre vraiment ils ont la valeur. C'est Zawadi. Zawadi. Alors au collège on appelle un lingara qui est Zawadi nanga. Exactement. Yo. Au côté déjà na idéologie na monia. En tout cas, effectivement, Zawadi c'est quelqu'un que j'aime, qui m'est cher, comme mon fils. Je dis toujours que mon fils est Zawadi. En tout cas, voilà. On les salue là, oui, c'est trop. Alors Barbara, ils ont combien de titres? 12 titres. Ouh, yo pokote na mlongo ka ba 12 titres. Non mais ngana, ce que tu as remarqué, na zora vraiment temps pour na sala album là. Je n'aime pas toujours courir. Deux années, oui. Je prends toujours le temps parce que album Eza, il faut aussi l'album, c'est une science, c'est scientifique. Une musique, ça ne se fait pas comme ça. Une musique doit pouvoir, sauf que Bimisi album, il faut que cet album puisse durer dans le temps. Et je veux que mes chansons, les gens les retiennent. C'est pour ça que j'aime faire des tubes. Moi, je n'aime pas Banzimbo, Milaï, Kilométrique. Milaï, voilà, vous faites des trucs. Une chanson, c'est le refrain. Jarabi, je t'aime. Jarabi, moté. Simple, efficace, tout le monde peut chanter. Ok, na Bandundu, on va chanter. Ok, na Malawi, les gens vont chanter. Mais sur Zalan, c'est trop compliqué, les gens ils ne comprennent rien. Tu peux faire.
Donc j'ai fait 12 titres. Alors la plupart de mes chansons ont été programmées à Kinshasa dans mon studio avec mes musiciens que je voudrais qu'on applaudisse parce qu'ils ont fait du beau travail. Merci beaucoup. Vous parlez de votre studio. Pour nous faire un album, ou soit studio Moko, un studio ouvert à tout le monde, à tout le public, ou soit à tous les artistes musiciens. En tout cas, c'est ouvert à tout le monde. On est en train de trouver un local qui va nous permettre d'accueillir d'autres personnes, parce que jusqu'à présent, je travaillais dans un endroit qui était assez. C'était en même temps dans ma résidence. Maintenant, je voudrais délocaliser et faire en sorte que ce studio soit accessible à tous, parce que j'ai vraiment un studio ultra moderne, avec tout ce qu'il faut. Ben moi, j'ai vu. Hein. Je voudrais le mettre à la disposition aussi des autres, parce que c'est aussi ça notre rôle. Ce qu'on a reçu, il faut pouvoir le donner. Il faut avoir un esprit de partage. Zawa, des 12 titres, avez-vous pensé au featuring ou soit au Yemika, Yomukuna? Bon, alors, j'aime bien quand. Je suis pratiquement une des artistes qui a commencé les featuring. Ouais, ça, au moment où les Congolais ne faisaient pas de featuring. Voilà. Quand j'ai fait des featuring, on a dit oui, mais Barbara Salaka, Banzimona, Batu. Les Congolais, ils aiment Congolais, pas ça. Mais maintenant, tout le monde fait des featuring. On a compris que c'était quelque chose qui marchait et qui donnait toujours un plus. Donc cet album, non, je ne fais pas de featuring avec les Congolais. Je le ferai sur un prochain album parce que ces musiques ont été écrites. Prochain album qu'il faut attendre peut-être en 2020. Écoute, parce qu'avec vous, les albums même dans un an, tout dépendra de comment je ressens les choses. Mais j'ai beaucoup de projets en cours. J'aimerais bien chanter avec d'autres chanteuses aussi congolaises. Nabassim Sous aussi, qu'on me retrouve sur d'autres titres. Pourquoi ne pas faire un collectif de femmes qui chantent? Bon, ce sont des idées que j'ai. Mais cet album, c'est un album qui a été écrit par Barbara, composé par Barbara, arrangé par Barbara. J'étais seule en studio, je me suis entourée d'un très bon guitariste qui est Bétengue, que je salue d'ailleurs, qui a été excellent. Il y a Kana Music, mes musiciens qui ont travaillé. Il y a Titina Al Capone qui a aussi attiré moi à poids, et ça, vraiment, je te salue et je te remercie. Mais c'est un album où j'ai essentiellement mis toute mon histoire. Quel genre de musique que nous allons retrouver dans l'album Zawadi? Alors, dans l'album Zawadi, on a 12 titres. J'ai un générique, parce que Toza Banakin... Un générique avec la danse du président. La danse du président. Toza Banakin, non? Pourquoi la danse du président? Le président danse comment? Parce qu'on a toujours l'impression que les présidents ne dansent pas, mais ils dansent aussi. Mais quand un spectacle, les membres du président Kabila télé. Ouattara. La danse du président. Et puis on est avec ça, c'est danse avec clé de contact. Clé de contact, puis ça la moi ma quelle elle. Puis ça non, puis ça non. Il faut rester fois dans la salle toujours là. Contact. Ça dépend. Pardon. Cette danse du président, c'est qu'il faut un peu moins accoutrement, mon roboy. Parce qu'un président ne s'habille pas n'importe comment. Que la musique de Kanam, ce n'est pas seulement pour Ezakti et pas là-bas, président. Ti, ma président, ma bina. Un président, Azoko Tanamo, parlement, Asimbi Contact, Naé, Malet, Naé. Même bas combattant, même bas opposant, tout le monde est la danse du président. Thank you.